1772, Yves de Kergalen est chargé par Louis XV d'une mission de prestige, donner un nouveau continent à la France. Dès qu'il aperçoit ces îles, il réalise qu'il a fait fausse route. Envahi par un pressentiment, il refuse de mettre pied à terre. Un sous-officier lui rapporte « Ces îles n'abritent pas un chat ». Yves de Kergalen écrit dans son journal de bord « Le 13 janvier 1772, j'eus connaissance d'un gros cap très élevé. Un moment, je vis d'autres terres, également hautes. À cette heure, le soleil ayant dissipé la brume et éclairci l'horizon, je distinguai une continuation de terre, ce qui comprenait 25 lieues d'étendue de côte. » De loin, l'objet observé est étrange. C'est parfois un piège. L'observateur peut être observé à son tour. Voilà, on va placer le piège ici, puisqu'on l'a, on a vu le chat hier soir. Donc là, c'est un bon site. Il n'y a pas besoin de le planter. Voilà, donc tu accroches bien la part pour que le chat puisse tirer et déclencher le mécanisme. Voilà, impeccable. Tu refermes. Tu n'oublies pas voilà, de bien mettre l'attache de la petite trappe. Ça m'est arrivé de l'oublier, j'ai perdu un chat comme ça. Voilà, bah, parfait. Hein. Il n'y a plus qu'à attendre. Le scientifique a parfois tendance à s'identifier à son objet d'étude, à force de scruter le paysage. Mais où sont les chats sauvages? Ils empruntent les terriers des lapins, parce qu'il y a des lapins aussi sur les Kerguelen qui ont été introduits, et ils vivent à l'intérieur de ces terriers pour se protéger du froid, du vent.